Ah, mugi fala ma yini ne. Nene ne tagi fala ma wa. Nene tagi fala ma, ki fala ma. Ni tagi fala ma ngeye. Buba dais. Côte d'Or. Non, mugi di verke ven bin duwer. Di verke 22 avril. Mono allemand et... Qui va là, qui fala manger, qui fala manger. 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 C'est ça. Vous avez un musée royal et turivirène. Vous avez un musée qui a été Albert, roi Albert qui a été fait pour le Congo. Vous avez un musée qui a été fait pour le Congo. Vous avez parce que. Baou baïsa baka nambu mana ba natamoku ba baïsa sala exploration et nata bimboa ma beto beto bétuisi kou nous sala contre exploration hein nous talan kama mbu ba nata yinka mambu hein tulenda baka beto mugwe ba banata ba ku ba yemba ko beto bi yemba ko no yemba biaw yemba ko tata suma ngi mo ngona mansa il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé waaw muy dum bagui di be
Comment il a un niveau pour travailler le fer jusqu'à ce niveau-là? Ouais. Si, si. Même il y a une Lubumbashi, la salamou. Ma travers le fer jusqu'à ce niveau-là. La Mikébo. Non. La Lubumbashi, il y a où tu connais. Il y a une misère, il y a un banjou, il y a un zoski. Oui. Oui, oui, oui. Non. Oui, il y a Moni. Nani. Celui qui a un four, un gérant. Une moto. Oui, on est là. Il y a un peu de moto. Oui, c'est la moto. Oui, c'est un peu de moto. Ah, un peu de moto. Oh, comme ça, il y a un gang. Ah, comme ça, il y a un gang. Quand c'est la calaque, on va faire ça. On va faire ça. Il n'y a pas cette lumière. Non. Thank you.
Lembro, Tata Sama, tu no tu no nanti angu eh? Mono que te fue que te dimos un buen infundo. ¿Foto quién? Le reste est envoyé à la foule.
C'est en comment, vous dites? Employé.
kana kuno sita simo yimbangu ne
What is this? Malachite. What? Malachite. Malachite? Yes, malachite. Stone. Malachite stone. Right. The stone of malachite. Yes. En Afrique, d'abord, on peut faire un bon pli. Moi, je veux. C'est vrai? Ici, c'est chaud. C'est cher. Beaucoup de Kokatanga.
vous dire que c'est le CFCO. On va 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 dire que c'est le CFCO.
Qu'est-ce que c'est lui? Les hommes léopards au Drossel, dans le nord-est du Congo, chez les Bali durant les années 34-35, et anotisme fait parler de lui, les meurtres commis lors. Sinon, il peut parler de ce qu'on dit. Période de l'histoire plus longue. La colonisation du Congo par la Belgique a profondément marqué les deux pays. Son héritage est encore vivace. Après l'extinction de mémoire du Congo, le temps colonial et le musée en tant que suivre la gestion de période complexe. L'histoire que nous exposons, sans prétendre à l'exhausticité, est une histoire vécue différemment, mais partagée par Belges et Congolais. Une histoire dont les passions, les émotions ne sont pas éteintes. Écrivain, voyageur, homme politique, ce qu'on a retenu la mémoire collective varie selon les identités et les histoires nationales de chacun. En Europe et aux États-Unis, Stanley est avant tout l'auteur des petites phrases. Dr. Wilson est présumé. Très vite, personnage quitte le terrain de l'histoire pour se limiter. En Afrique, Stanley est aussi l'objet d'une création par la culture populaire. Il devient tour à tour voyageur, opérateur et commissaire occidental. Une culture populaire le rejoint à la tête d'un Angolais lors de porteurs. Donc,
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis Domination. Je suis un peu plus de temps. Les vieux sous son manguier expliquent les grandes différences entre son épouse, entre son époque plutôt, et la nôtre. L'État existait en ce temps. Nous avions eu des beaux bus. Les fonctionnaires étaient les salariés les plus fiers. Bonjour. Aubert qui sont titées, mon kind. La fossé. Le fossé entre nous et nos pères. Que c'est eux qui ont foncé nos repères. Le mal est fait, mais personne ne le répare. Il a tous été leurré par les pauvres et par sa clarté. De celle-ci, nous avons tous été écartés. Le rappeur Pacho, Pacho, rappeur Ghana. Monsieur, bonjour. Nous faisons une petite visite. Ah oui, ça Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à propos de cet endroit, s'il vous plaît? Quel petit mot, par exemple? Est-ce que vous, on voit par exemple ici, vous voyez mon papa Sim? Papa, Sim, mon Sim. Sim. Ça, c'est Sim qui m'a dit. Mon combat, tata qui se loge le kilo. Tata de l'unga na kiangani. 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 L'action est grave. Le moment est grave. Kaditouzi est-il on a 21.
Talanfungo. Bonsoir, qui est le mot de la Mon 21. Je suis venu à la maison. Je suis venu Waouh, tout le temps. Vous me suivez en erreur. Tu as dit que tu as dit que Simon Kimba évolue dans le milieu missionnaire baptiste à la suite d'un rêve religieux. Ça, c'est leur texte, votre sonné bas. Il se met à prêcher et à détruire les fétiches. Il a la réputation d'obtenir des guérisons. Son succès de foule inquiète le monde colonial. Quelques prophètes de son entourage prônent la désobéissance civile. Quelques prophètes de son entourage, il y a un Nico, mais il y a un Nico, mais il y a un En octobre 21, il est condamné à la peine capitale commune en détention perpétuelle. Il meurt, bon, il meurt pas, il se transfigure aujourd'hui, date anniversaire, il se transfigure à Nouvelle-Jérusalem, au nom de ce papa Simon Kimba Nkiangani, l'esprit de vérité. Alors, après avoir passé 30 ans dans la prison d'Elisabethville, le kimbanguisme a préparé les esprits dans la région du Bakongo et partiellement à Kinshasa pour un renforcement de l'ordre colonial. Qui c'est qu'on dit Nawo? Là, le Tu es Nakia. Mungonde ya manga la tonina. Kanje mako ta kisuna manza ku. Mukuma ka diamu ya kana ko tusengela mna patia. Ya be ba uvo bize tu moyi za. Kambo tu daranga. La usi se. Si budi nzila, tata simoni kimbangu rai kidi kwa. Kuna yenu sile mungu kya ula kya unu, tata simoni kimbangu ula lunga nesa, 60 ans kumo le samba na mfu. Diabetes, kambamba ko, betu bana mandombe, manubiste, nebe tata ebele, nebe tata bope, tata kabongo, tata sama ki mandombe, tata mfumu mpanzu, wa faki Belgique. Sinzu kuzonga, kuzonga lumi ya unora. Dawe fwene. Tu vois le sens quoi, Moutamoutou. Moutamoutou, excusez-nous, comme je disais tout à l'heure, je vous ai posé la question concernant cet endroit parce que vous voyez, je suis affecté. Ouais. Parce que l'émotion m'emporte. Ouais. Papa, c'est moi qui me bambou. Ouais. Est-ce que vous connaissez quelque chose de lui? Kimba, vous faites un prophète dans le Bakongo. Qu'est-ce que je dirais? Il a été arrêté par les Belges. On l'a condamné à. On l'a envoyé au Shaba, aux Okatanga à l'époque. Lubumbashi. Oui, oui, dans la prison. C'est là où il est mort. Quel commentaire encore de... Mais vous qui gardez... Puis on est allé chercher, je ne sais pas en quelle année, en 5 ans, non, en 60, quelque chose, on était allé chercher les restes de son corps qu'on a enterré à Kinshasa. Non, on l'a ramené à Jérusalem en Kamba. À Kamba, oui, voilà. C'est ça. Et ça fait ce okay. Mais pouvez nous expliquer un petit peu, excusez-moi, je vais prendre votre papa, vous m'excuserez, je suis votre fils, en même temps, le message passe votre nom, mais l'esprit de vérité. C'est quoi ce que vous avez? Un chef coutumier avec sa qui est là. Ça, c'est un chef médaillé. Vous voyez comme ils sont dans la médaille. Vous avez à lire ici, vous apprendrez beaucoup de choses. Bon, quoi encore? Ici, c'est la formation militaire. Là, un chef coutumier qui n'a pas voulu se soumettre à l'autorité belge. Parce qu'on voulait lui arracher ses terres. Il n'a pas voulu se soumettre, il a fait comme la rébellion, voilà comment on l'a arrêté. Regarde, attaché là, on le porte, là, et là, et puis les mains. Il est là, ici, voilà comment le dire. Les Belges construisaient l'Europe. Vous avez ici cité européenne, comme le Kim Chasson dit, la ville, la cité intelligente. Et puis, au milieu, il y a une personne, là où il n'y a pas l'apartheid, donc on est sur le parc à l'époque, il y a une personne, donc c'est l'apartheid, de ségrégation raciale. Et c'est là où on divisait le samedi et dimanche, samedi après-midi.
et dimanche, après-midi, un noir ne pouvait pas se trouver du côté européen, à la cité européenne, en ville. Si un noir doit se trouver là, il doit avoir une autorisation spéciale pour quoi il est là, pour qu'il se promène là. Il ne faisait pas chimier la ville Congo. Pardon? Vous avez vu la ville Congo, ville du Congo, à Kinshasa, à l'époque Léopoldville. Ça, c'est pas ça, Léopoldville. Ça, c'est... Oui, oui, c'est ce qui se passe. Ici, on montre comment est-ce que les Belges construisaient leur ville. Comme Kinshasa, comme Elisabethville, voire une petite ville, Lubumbashi, tout. Il y avait toute une cité européenne et une cité indigène. Et puis au milieu, il y avait une zone. C'est comme à Kinshasa, vous arrivez là où il y a un parc de bouc. Maintenant, c'est Kilitrano, voilà, là, le zoo. Oui. Et le marché. Oui. Il y a tout l'hôpital. Wow. Bon, vous voyez que ce côté européen. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'associer avec les indigènes. Il disait, on va attraper les cohabitations. C'est ça l'erreur que les Belges ont commis. Oui, si les Belges s'étaient mal associés avec les Congolais, les Congolais ne seraient pas déjà prêts à demander l'indépendance. Mais... Alors, eux, ils ont fait comme une sorte d'apartheid, discrimination. Alors, on est de leur côté, les Noirs, les Noirs. Alors, c'était ici, quand les Congolais sont arrivés ici, à l'exposition, c'est 1958. L'exposition de 1958, ils ont vu que les Européens ont considéré comme des petits dieux en Afrique. Ici, le lit qu'un noir dormait, c'est une dame européenne qui a arrangé ça. Bon. Les enfants des noirs, ce sont les femmes européennes. Tout leur a mangé. Ils ont dit, mais tiens, or les Européens sont comme les Allemands, comme nous sommes égaux. Pourquoi ils nous dominent là-bas et qu'ici chez eux, ce sont eux qui balayent le lit, ce sont eux qui... Alors, quand ils sont entrés, ici, ils ont demandé... Vous voyez que l'exposition a eu lieu en 1958 et en 59 déjà, 58 même, les Congolais ont commencé à demander l'indépendance et en 1960, le Congo est devenu indépendant. Vous voyez, à cause des histoires, par exemple. Stéphano Kaose, ouais, le premier Congolais ordonné prêtre en 1917. Voilà. Il exerce une influence sur d'autres vocations et se distingue par ses écrits. Aussi bien des écrits ethnographiques que des écrits questionnant la capacité des Congolais à intégrer le christianisme. Il est aussi le premier Congolais à siéger au conseil gouvernemental du Congo, de la colonie. Mais il parle de 1917. C'est pas ce mot qui me manque, non? Pas en 1917. Ah, ouais, là, au moins, flash des bêtises en haut, et là, on fait ça. Au moins, hein? Ah, ciao, on fait ça. On a vu, ouais. Ah, on flash parce que. Ciao, ciao, automatique, flash des bêtises. Moi je veux prendre. Mwamba Kasongo. Kasongo et Tchongo. Bah, ça c'est l'orchestre African Jazz, Miko, Besho, Kabasele, Izeidi,
Armando qui a joué le contrebasse. C'est le Jiki quoi. Bon. Ici, est-ce que vous saurez me dire ici? Qui pouvait deviner ça? Qui peut deviner ce coin ici? Le coin ici? Devinez un peu ce coin ici à Kinshasa. Ça, c'est du côté de l'ISO. Dites-moi. Oui. C'est Kalina ça. Dites-moi, ce coin-là, il y a une rue qui va comme ça, il y a une rue qui vient comme ça. Quel est ce coin ici? Non, je ne savais pas. Aucune idée. Vous avez bien commencé. Oui, enfin, je voulais dire que c'est les zoos, le jardin botanique. Ah, je vous ai dit. Là, vous allez vers l'hôpital général. Général, là. On appelle maman Gégoire. C'est Charles de Gaulle, le prince Baudouin. Là, vous avez les zoos et vous avez le parc de Beau. Oui. Comme par là, c'est la France, la Belgique, je pense quoi. Et ici, il y avait des magasins où on vendait les zoos. Et là aussi, après les magasins, on vendait les zoos. Ici, vous allez vers, comme on dirait que vous allez vers boulevard du 30 juin. 30 juin, d'accord. C'est bon. Ça, c'est l'orchestre de jazz, Franco, De La Lune, et Donganga, Ziki Longwenda, Celestin Kouka, Isaac Miseki, Wadeswan. Et le même, c'est Armando. Comment s'appelle-t-il encore? Il est encore vivant, parce que tous... Franco est mort, et De La Lune, je pense, est vivant. Vivant, mort, vivant, il est mort. Oui. Celui-là est mort. Celui-là est mort. Tout le. Ici, Kabassé. Ça, c'est la famille à l'époque, on était les évolués. La maison d'un évolué. Ici, ce sont les leaders politiques, Lumumba, Léo, Tchombe, Kassadé. Ici, quand le roi Baudouin est allé à 500 flèches, c'est la première flèche. Ouais. Ici, quand le roi Baudouin est allé au Congo en 1955, ça c'est le gouverneur Pétillon. Le gouverneur Pétillon. Pétillon, ça c'est Bisséré. 100 flèches, s'il vous plaît. Ah d'accord, je vous l'ai dit. Comment je vais lui dire ça? Bisséré, qui a créé les écoles officielles. Ça s'appelle comment? Il s'appelle comment? Auguste Boucher, Bousséré. Ah, Bousséré. Il y a off. Bon, ici, voir, ça c'est l'université Louvagnol. L'université Louvagnol. Ça, ce sont des Iléo avec son groupe qui avait créé la conscience africaine. Manifeste de la conscience africaine. Tous les noms sont là. Bon, ici, les émeutes du 4 janvier 1959. Oui. 4 janvier. Ça, c'est Foncobel. Oui, je connais des. Ici, Kassavubu et Nkanza qui ont été arrêtés suite à ça, et ils sont devant le tribunal. Zoom, t'as tout mal à l'air. Voilà. Kassavubu et Nkanza, et Nzezala, nous, le tout leur comité, si vous voulez, qui ont été traduits en justice. Ça, c'est venu Moussou Djano, là. À Bakko. Pour le 4 janvier. Parce que Abako signifiait tout d'abord Association des Bakongo. Mais quand les émeutes ont eu lieu, sans flèche, quand les émeutes ont eu lieu, quand on les a arrêtés, on les a jugés, bon, on a dit, allez changer le nom, allez casser cette association-là. Ils sont allés, ils ont changé. Alliance de Bakongo, en abrégé, Abako. Voilà. Ça, quand ils sont venus à la table ronde, quand ils ont chanté, attends, jouer l'indépendance, tcha-tcha-tcha. Ici, c'est pendant la programmation. Ça,
c'est l'orchestre OK Jazz qui a joué la nuit de l'indépendance. Là, c'est là, le de... Ouais, là, par le moment, commençait son discours, elle s'allumait. Mais ça, mais ils sont au bout de la dernière. Non, le voilà, non, le non, voilà non, ici. Pas, si, c'est le voilà ici, derrière, là. Oui. Derrière, oui, ouais, c'est vrai. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, non, c'est pas mon bouton. Non, mon bouton n'est pas ici. Mais pourtant, il était à la table ronde. Oui, oui. Ça, c'est... La table ronde, on le voit caché quelque part. Je sais pas, c'est... le papa ici n'a pas suivi. C'est pour ici. Vous, c'est le les appellations. Ils ont dit Charles de Gaulle, au croisement de Roi Léopold. Ah oui, c'est là, il a été. Ça m'interpelle. Voilà, ça, ça c'est Charles de Gaulle. Ça, c'est Prince Baudouin. Ça, c'est les eaux. Ça, c'est le pape de Gaulle. À l'époque, hein, maintenant tout a changé. Tout a parce fait. Que quand je suis allé en 2007, je ne reconnaissais plus ces points-là. Et ici. Oh, ça, c'est le centre, non? Oui, oui, alors. Oui, oui, oui. Côté de la gare, c'est ça? Non, oui, oui, alors, continuez, continuez. Je ne sais plus que ça. C'est la, le grand boulevard. Ah oui, boulevard des 30 juin. Voilà. Mais quel coin? Quel coin ici? Là, hôtel régional. Voilà. Central. Ici, vers la bon, vous avez vu ce monsieur-là, papa. Le monsieur qui a arraché l'épée là. Oui, le monsieur qui a arraché l'épée du roi. Le sabre. Le sabre. Et le roi ne savait même pas qu'on avait arraché le sabre. Si, la suie. Non, regarde. La suie, mais il va. Il savait être hypnotisé. Non, non, ils doivent faire ça comme si de rien n'était. Comme si rien n'était. Là, ce sont des choses protocolaires. Oui. Pas faire comme si de rien. Il ne doit pas paniquer. Voilà. Bohimo, seulement. Ah, bah, Bohimo. Moi, j'ai son histoire. Hein. C'est ça. Le signe était sous la veste, là. Ouais. C'était signe Kodia, hein, du parti Abako. Ah, ouais, c'est là. Et il était surnommé Maungu. Ah. Maungu a dit Congo, surnommé un maître suprême. J'ai son histoire, tu vois. Ouais. Et il était déclaré à l'époque comme un fou. En amont, Kisangani et jusqu'à Kinshasa. Parfois, une famille entière habite une grande époque, une grande pirogue plutôt, sur laquelle ils posent un toit de ronceaux pour se protéger de la pluie. Ils maîtrisent bien la technique de fabrication du pirogue. Près des cours moyens, la région d'Afrique, on rencontrait assez souvent des tels pirogues. Vu qu'il y en avait, qu'il y avait encore beaucoup de gros arbres dans cette région, suite aux multiples abattages dans la forêt équatoriale, notamment pour la fabrication des pirogues, les grandes pirogues sont détenues extrêmement rares. Actuellement, les exemplaires de 12 à 15 mètres de long sont déjà devenus des exceptions. Parfois, les arbres sont abattus jusqu'à 7 à 10 km de fleuve. Et la pirogue est transportée par voie de terre jusqu'à la rivière. Les très grandes pirogues, à savoir celles de 15 à 20 mètres de long, étaient utilisées pour le transport, les déplacements de passage ainsi que pour la guerre. 20 à 50, ce sont plus de 100 mètres, ou 100 plutôt, même 100 rameurs étaient nécessaires pour les propulser. Pour garder le bon rythme, généralement, les tambourinaires ou joueurs de tam-tam étaient à bord. Cette pirogue fut offerte par la population locale du territoire de Pontcharville, donc au Bundu. Elle avait déjà été utilisée lors du voyage du roi Léopold III dans cette région. La pirogue lui transportait
fut transporté en bateau jusqu'à Anvers et de là conduite à Tourverein par la compagnie du génie caserné à Bourges. La longueur totale est de 22,5 mètres. La plus grande largeur de 111 mètres et la hauteur totale de 85 cm. La paroi latérale de la pirogue a une épaisseur de 5 à 7 cm. Et la quille de plus ou moins 15 cm, ce qui assure plus de solidité. Le poids total est environ 3500 kg. Les ouvertures aux extrémités permettent d'insérer une pagaie qui sert de gouvernail. Elle sert également pour l'appareil. Ils peuvent même recevoir un moteur en bord. Le roi utilisé est un télégraphe petit, une sorte de cadacage de grande valeur, recherché pour la fabrication des meubles. Une telle pirogue a nécessité la bataille d'un cajou de 200 mètres de haut, au moins 180 mètres de diamètre et probablement 380 grammes. 300 400 d'âge. Donc il y en a 4 siècles. Ouais. Le bois utilisé. Ouais. Un petit bout on a à peu près, ça vaut 17 kilos. Ma couleur, il y a. Thank you.